Je dois voter Macron. On doit continuer, BD. Va voir la nouvelle unité. Elle ne répond plus à la... Oh, elle a tué. Seuls les Jedi utilisent la force. Ça n'a pas l'air de fonctionner. C'était rigolo. Toujours t'es drôle. Repos, réflexion, détermination. En avant, voyageur. Encourageant. En avant, voyageur. Tu vas voyager. Et face à ta peur. Et traverse les dangers. Ah, c'est facile de faire du Bernard Minet. Hein. Oh, une tenue. Ah, de Jedi, j'aurais dit Padawan, mais bon, c'est. C'est comme vous voulez. Une tenue nulle, super. Ah, j'ai hâte de ressembler au personnage tel qu'il devrait être. Ok, on ira après. Ah merde. Ah fait chier. La porte est verrouillée. Allons nous battre. L'Empire nous a apporté un nouveau jouet, mon pote. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Waouh. C'était vraiment pas sympa, hein, BD? Ça donne quoi, BD? Ah, Jace et les conquérants de la lumière, c'est pas Bernard Minet, ça! On montrera là-haut après. De toute façon, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ah puis techniquement, c'était pas du Bernard Minet, c'était du Jean-Luc Azoulay. Mais c'est lui qui écrivait, qui composait. Et Bernard Minet et les autres, tous les autres qui ont chanté les génériques. Il se contentait de chanter. Sinon, c'est tout Jean-Luc Azoulay. Azoulay, c'est le A de AB Productions. On peut facilement être dévié de sa trajectoire ici. Avançons prudemment. Tu peux pas marcher dessus, là. Je vais. Ah. J'ai pas eu. Oula, oula. Ouh. J'aime bien les grosses structures comme ça là. Putain, on dirait un truc de dos avec une longue chevelure. Ou des tentacules sur la tête. Cthulhu était un Jedi.
Et on a peur. Mais qu'est-ce que j'étais censé faire quoi? Je n'en sais rien du tout. Ah, là-haut. Ok. Oula! Tu veux recommencer? Ça va. Mérine veille sur nous, BD. Ouais, notre navette. Il faut qu'on se tire avant que l'excavation atteigne ce centre. Ils en envoient une autre. Je veux être là pour le premier tir d'essai du gros canon. Le gros canon ? Mais pourquoi il veut pas envoûter ? Envoûtation ! Oh puis merde. Lui d'abord. Et merde. Ça me gratouille. Ah, j'étais pas prêt. Ah oui, c'est de là que je viens, effectivement. Ça va nous donner de l'élan. Attends, fais-le remonter. Ah, c'est le... Ah oui! C'est là. Très bien. Se battre ensemble. Protège-moi. Défends-moi.
Merde, j'ai pas vu ma vie. Putain, le con. Ah non, réapparaît où? Loin. Oh la vache. Il y a un art de combattre. Tu l'apprendras avec le temps. Cet art va nous aider à vaincre un Jedi? Je te vois. C'est toujours bon le raccourci ou pas? Yes. Ça aiderait presque à ignorer tout cet tas d'ossements. Ne cherche pas la voie. Reste immobile, voyageur, et la voie sera dévoilée. Facile à dire quand on repose déjà en paix. Une autre crypte. Je parie que Meryn adorerait cet endroit. Wow. Sympa. Un droïde et son maître. Tu me dirais un personnage de South Park. Ah non, d'accord, ok, j'ai mal vu. Alors, doit y avoir quelque part.
On peut tirer cela aussi. Ah merde. Étrange. Quelle ambiance est cool. Oh! Bonjour. Allez, tu peux y arriver. Bonjour. Moi, c'est Cal. Lui, c'est BD1. Je m'appelle Pili. Je ne m'attendais pas à voir des pèlerins aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais ce que je peux, mais très peu de choses poussent ici. Comme vous mais j'ai très peu de cheveux. Vous devriez aller dans le système de Kobo. Tout pousse là-bas. Ça a l'air merveilleux. Je m'y rendrai peut-être. Dites seulement au barman du Pailoon Saloon que je vous envoie. Il vous aidera. Ah, maintenant que vous avez recruté Pili, vous pouvez débloquer d'autres parcelles du genre. Ah super, c'est très utile. Faisant pousser vos plantes au maximum. Il faut toutes les parcelles débloquées, vous obtiendrez des capacités spéciales de jardinage. Ça me paraît être la meilleure chose à faire. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir des capacités spéciales de jardinage? Dans ce univers de Grut. C'est un drôle d'endroit pour cultiver un jardin. Je me sentais un peu perdue alors. Comme les pèlerins, je suis venue ici chercher un nouveau chemin. Lorsque je suis tombée sur ces graines qui peinaient à pousser... J'imaginais pas du tout que tu aurais cette voix, par contre. Je suis étonnée que des plantes arrivent à pousser ici. La vie est têtue, je suppose. Je sais que cet effort était futile, mais il en allait de mon devoir en tant que botaniste. Je comprends, mais on est dans le désert. C'est difficile pour la vie de se développer dans ces conditions. Je le sais. Peut-être n'ai-je jamais voulu l'admettre. Vos efforts n'auront pas été vains. Mais parfois, il faut savoir quand passer à autre chose. Ce n'est pas une défaite, seulement un changement de cap. Je réfléchirai à cela, Cal. Faites attention, Pili. Les impériaux sont partout. Je crois que je vais suivre Pili. Votre conseil et me rendre dans le système de Kobo. En espérant que nous nous y reverrons. Un petit peu de Johanna dans sa voix. Hein. C'est perturbant. Ça a lancé où le truc? Je vois. Une botaniste dans le désert. Elle devait être complètement perdue. Ou à la recherche de sa voie. Oui, parce que dans le désert, il n'y a pas de la bière. Ah. Je sais pas où je vais. Je fais le tour. Ah merde. Ok. Ici c'est la suite. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Le fantôme est ici. Quelqu'un l'a vu dans les parages. Peu importe. Fantôme ou pas, j'aimerais bien voir quelqu'un essayer de s'attaquer au nouveau vaisseau. Et quand est-ce qu'il arrive? Ça devrait plus tarder. Ennemi repéré.
5 sur 5. Arrêtez-le. On repasse. Cette formation rocheuse, elle me dit quelque chose. Ah ! Ah, c'est le truc qui va tout en bas, là, dans la crypte. Ah là là ! Un message quelque part pour me... Ah, c'est ça. Ok. Ah bah c'est marrant, c'est la forme que j'aurais fait. Attendez, c'est par là qu'il faut que j'aille ou... Je ne sais pas où je dois aller, mais à mon avis, c'est pas ça. Ouh, un Steam. C'est moi où l'animation a été niquée. Un bibelot de plus pour un voyageur de plus perdu et trouvé sur le chemin du pont. Ainsi, nous honorons ses efforts et faisons résonner sa voix pour toujours. Chaque cloche représente quelqu'un qui est mort pendant son pèlerinage. Saint-Jacques, c'était plus sympa que ça. Hein. Putain, mais on va où là? Oh! Arrête, Sarah Fugue là-bas! Tu vas effrayer le poisson! T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai entendu, mais je suis pas sûr de comprendre. Le bruit, gamin! Un pêcheur doit être maître de tous ses sens, compris? On est chez le poisson là, à queue éventail. Le plus grand renifleur de mauvaises odeurs du noyau profond. Renifleur de cul, le plus grand renifleur de cul, les gens. Ça sent pas la rose de l'Otal. T'en fais pas, vu que je suis malin, je peux appliquer du musc de Glutsam Crab sur ma combi. Sur sa couille. On saura pas ce qui lui arrive. Là, j'ai compris, sur sa couille. Waouh. Une de mes proies les plus coriaces. Mais le là est pas de taille face à Scuba Steve et ses arômes. Ça me fait penser. T'as contribué à quelques odeurs aussi dans le tas. Je te dois toute ma gratitude. De rien. On se voit plus tard, gamin. Et si tu te rinces dans l'eau, ça me dérangera pas. Hey, alors, on en revient à mon histoire sur le Grappnel. Malgré les protestations de mon cœur, j'ai abandonné la canne à pêche pour le harpon. Pendant des années, on a arpenté la bordure extérieure. Arpenté. Arpenant tous les poissons qu'on croisait. J'avais du talent. J'avais pris plus de poissons que le reste de l'équipage réuni. Idiot comme j'étais, j'avais pas la sagesse d'avoir honte. Le féroce capitaine Wan Yekwet l'a remarqué.
Il m'a noyé de compliments, m'a donné les meilleures prises. Et à peine un an après avoir quitté Sakavitar, je suis devenu son adjoint. Peu après ma promotion, on allait sur Manan pour vendre une carcasse de poisson-loup. Et bam! Au moment où on est sorti de l'hyperespace et où la planète océanique est apparue, elle aussi. La plus glorieuse créature que j'ai pu voir. Ah, la baleine. Une baleine à la taille pas croyable. Mais elle nageait sur l'orbite de Manan, comme les poissons dans un courant par chez moi. J'étais hypnotisé. Ah, trop tu bien. Tu m'étonnes. Vous étiez proche comment? C'est drôle que tu demandes ça. J'avais à peine posé les yeux sur elle qu'on l'a percutée de plein fouet. Le grapnel a rebondi sur elle comme un hameçon sur une épave. On a plongé droit dans l'océan et le grapnel a coulé au fond des eaux où une bande de pirates Quarren était terrée. Les Zéphyrs abjects. On a traversé la coque fendue et on s'est retrouvé encerclé par les Quarren. Ils exigeaient toutes sortes de choses, y compris notre cargaison de poissons. Donc on a fui à la nage, le capitaine Watt, l'équipage et moi. Mais on était aveugles à cette profondeur et on a vite fini dans une impasse, de nouveau encerclé par les Quarren. Reviens plus tard si tu veux savoir la suite. Pas vraiment, mais j'imagine que si je t'écoute, j'aurai droit à quelque chose. C'est comme dans un monde qui marche à la récompense, hein, je vous le rappelle. Mais... Ah d'accord. Ah cool. J'ai pas besoin de méditer. Tout va bien. Je regarde le live animé de... Ah mais... Y a pas de souci, coach. C'est pas une obligation. Hein. De toute façon, il n'y a rien de fifou, hein. Rien que les habitués de des streams n'ont déjà entendu, je pense. Peut-être formulé différemment. Aujourd'hui, c'était spa. Oh. Bon anniversaire, les petits indiens. Le pont vers le sanctuaire du pèlerin. Pourquoi les petits indiens? Est-ce que... Je peux sauter là? J'ai peur de le faire. On ferait bien de rapporter ça aux archives. Ah bah de toute façon je crois que j'ai pas le choix. Ça marche. Let's fucking go! Oh. J'aurais besoin d'une pause. Mais non, tout va bien. Quoique, faut peut-être l'activer. Non, je sais plus si... Il faut que je me concentre. Oui. Ah bah j'ai des points de... Compétent. La nif du Buffalo Grill. Alors... Oh là là. De compétences à compéter. Là, c'est nul l'attraction. Pousser en parade, appuyer sur RT juste avant qu'un ennemi vous attaque pour l'envoyer dans les airs. Alors, ça peut être bien ça aussi. Tous les trucs là aussi qui sont bien. Forcer les ennemis à tirer, putain. C'est trop cool.
Là, il y a les attaques au sable que j'ai toujours pas... toujours pas pexé. Parce que moi, je suis à fond dans les trucs, là. Même si c'est vrai que ce serait bien de... débloquer un petit peu des nouveaux enchaînements, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu redondant quand même les combats. Oh. Je vais voir ce qu'il y a en bas déjà. On peut descendre à l'endroit ? Ah non, ok, ok. Trouvaille. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il y a une unité impériale. Je me suis dit que je devais te prévenir. Ça me va. Passe devant. Il a son cul. L'Empire a trouvé un moyen d'entrer dans le temple ? Non, mais j'ai entendu des impériaux parler d'une nouvelle machine d'excavation. On bouge. Aïe aïe aïe, je vais où je veux, et c'est souvent dans la gueule, ok. Oh, elle est insupportable celle-là. Voilà, tu vois ? Tu m'engueules. Mais en fait, t'es contente. Ok. Non, d'accord. Pardon, c'est AB. Mérine ? Un instant. Ça m'impressionne toujours. Tu n'as pas encore vu toute l'étendue de mes pouvoirs, Calquestis. Calquestis. Oh, voilà le raccourci. Super. Raccoursax. Par ici, Cal. Et t'as vu ça? Alors. Ouh. Ça vient de cette salle. Alors trouvons le moyen d'y entrer. C'est maintenant ou jamais. Mais je peux pas aller par là? Si je vais par là, j'en... Il fait rien BD avec ça. Tu n'as plus ta tête. Oh, c'est un trou. Putain.
Là, on peut rentrer par là. Là, il y a quoi? Joui ou quoi? Aucun trésor ne vaut la peine de mourir pour lui. Ah ça, t'as jamais été amoureux, toi. Ça aux archives de Céré. La force est puissante dans cet endroit. Est-ce qu'elles font du rock'n'roll? C'est d'une bien grande tige, tout ça. Ça ne m'impressionne absolument pas. Ah, plat! Je vais où? Oh non, mon dieu! Des fois, le chemin n'est pas clair. Ah ! Putain ! Bon alors on va prendre une corde. Certes. On m'accrochait à ça et ben non. Ah si. Je me sens faible, BD. J'ai peur. Ok. Je sais pas ce qui s'attendait à ce qui se passe. Oula. Te revoilà. Salut. Le camp de travail impérial sur Maza. La garnison est à moitié vide. On peut frapper avant que les renforts n'arrivent. Ça semble prometteur, mais Mérine et Grise ne sont toujours pas revenus au vaisseau. Dès qu'ils sont rentrés, je partirai en éclaireur. Et eux, ils se reposeront. Tu sais bien qu'ils refuseront de se reposer tant que tu seras en danger. Tu n'abandonnes jamais. Et à vrai dire, c'est ce qui nous inspire tous.
Mais tu dois te rappeler que là où tu les conduis, ils te suivent. C'est vrai que je force pas mal ces temps-ci, mais... Depuis que Grise a été blessée... Je n'ai pas responsable de ce qui est arrivé à Grise. Mais depuis ce jour, tu prends trop de risques. J'ai tout le temps peur qu'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous. C'est une bonne chose d'avoir conscience de tes peurs. Mais ne laisse pas ces peurs tracer ta voie. Concentre-toi sur le présent. Choisis-toi un chemin et agis avec certitude. Et dis-toi que quels que soient les risques, tu peux y arriver. Cal, tu dois croire en toi. Croire en la force. Exactement. À sauter, appuyer sur B pour effectuer une ruée, puis sauter plus loin à travers la rafale. Oh là ! D'accord, j'ai gagné la ruée. On peut plus reculer. Concentre-toi sur le présent. Et on force le passage. Wow. Ok. Foncer au cœur de cette tempête. Prépare-toi, BD. Il a toujours su où me guider, même quand j'ignorais ma prochaine étape. Cal, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, par toi-même. Je me suis cogné la tête, alors j'ai appris un nouveau pouvoir. Arriver à me suivre maintenant. On va bientôt le savoir. Que font les impériaux? Ils sont près de l'entrée. Ils attendent quelque chose. Alors on a encore du temps. Non mais même Obi-Wan Kenobi, il sait pas faire ça. Arrêtez. C'est lui l'élu de la force, hein. C'est pas Anakin ou Luke, hein. C'est Cal Kestis. À l'intérieur. Séparons-nous. Je vais distraire ce monstre. Fais attention. On se retrouve. Très bien, moi je m'enfuis. Non, on va pas aller. Waouh. Elle arrive à aller sur les endroits où on peut pas aller. D'accord, j'ai compris. Oh oui. On s'y remet. Attendez quoi? Mais non. Je remonte là-haut, ça, on est d'accord. J'avais pas un raccourci assis. Ah, sont avec nous maintenant. Ah c'est le... Bah maintenant je dirais ça quand je pèterai. Les vents sont avec nous. Super. Non, pas moi. Je suis ton ami. Oh là là, ils savent pas reconnaître leurs amis. C'est pour ça qu'ils sont cons eux. Ça me paraît loin quand même. C'est très loin. Il faut la triple ruée là.
Cette manœuvre va demander un peu de préparation. J'espère que Mérine pourra les ralentir. Quelle... Ah oui, d'accord. Voilà. T'aurais pu allumer ton jetpack surtout quoi. Qui sont cons. Ah non, je croyais que c'était bon. Ah oh, putain, fiche. Ah. Comment ça va, BD? Tu t'amuses bien? Tu vomis dans ton slip, BD? Pas monter là. Oh, ça devient technique, hein. Ah! Ce truc, un pilote? Et comment on fait pour s'inscrire? Je crois que les inscriptions. Regarde ici! Je veux cette promotion! C'est rigolo? Oh putain. J'ai l'impression que c'est trop long à chaque fois, ça me fait un petit stress aux couilles. Ok. Pour repartir, putain la corde. La corde de ouf. Ou alors c'est pour pouvoir aller au truc où il y a le coffre où je peux pas aller, c'est ça? Non, je crois pas. Truc où il y a le coffre. Ah si, on dirait bien. Non. Ce truc encore après. Okay. Hein. Ok. Ça marche. Ça marche. Incroyable. Mais ça n'empêchera pas l'Empire de le réduire en poussière. Mais là, nous sommes notre Tomb Raider.
J'aime bien les trucs comme ça, les grands temples explorés, perdus au fin fond de mon cul. J'adore ça. Je reconnais ça, il y a le Graal, un vieux chevalier en train de crever dedans. La Jordanie, c'est là où il y a que des Jordanes, c'est ça? Putain, c'est clairement ça, hein, putain. Ah bon? Qui ça? Et pourtant, c'est vrai. Il est con. Ils sont vraiment comme dans les films, ils sont cons les Stormtroopers, c'est rigolo. Je pense que Sir Tusk voudrait y jeter un coup d'œil. On fait les Nike Air Jordan en Jordanie, oui. Et des matchs de basket avec des Looney Tunes. Oula, ça va loin. Ça va très très loin. J'ai mal de rester dans le cadre comme il faut. Hein. Et sinon, ça se passe comment au niveau de l'image? Ça choque pas trop, ce gros carré, là, par rapport à d'habitude, où c'est croppé net C'est la question que je me pose. Non, c'est très bien, d'accord. Est-ce qu'il est pas un peu trop gros? Je ne sais pas. Ah oui, merde, attends, parce que moi je pensais que j'allais passer par là, mais en fait. Ah là, ici. Il faut se dépêcher. Le frère Armias ne pourra pas se cacher éternellement. Putain, le pauvre, il s'appelle Armias, quoi. Tu vois pas les streameuses qui prennent 40% de l'écran? Tu sais quoi faire? Un asile pour tous ceux qui le cherchent. Alors, je n'ai pas le. Je n'ai pas le charisme des streameuses. Le sanctuaire du pèlerin devrait être l'endroit idéal pour le refuge. Sa proximité avec les archives est idéale. Grâce à tes talents, ce temple pourrait redevenir un havre de paix pour les nécessiteux. Les pouilleux, quoi, dis-le tout de suite, quoi. Les pauvres, ah, les pauvres. Les crèvent la faim. Les cassos. Et bienvenue. Quelle arrivée en fanfare. On dit pas les pauvres, on dit les pèlerins. On dirait. Ah, du coup, j'ai une. Bah, allez. On va voir si je peux pas compéter le sabre laser là. J'ai un point de compétence, je vais peut-être pouvoir faire un truc. Frappe recul, LB puis X. Ça, y a trop de trucs quoi. C'est. Jeu de jambe améliorée. La frappe plongeante va plus loin. Envoi double. Frappe de cyclone. LB et X. Je suis pas sûr. Ça fait quoi LB normalement? Et bonsoir Askem. Allons-y. Ah, c'est la garde. Ah, ça peut être pratique. Ça peut être pratique.
n'annonce rien de bon. Cet endroit ne tiendra pas longtemps. Oh putain, j'arrive pas à le dire. Croix carré, rond et triangle. C'est parce que j'articule pas, parce que je parle pas fort. Les sanctuaires du pèlerin ont bien changé. Parce que j'ai des voisins. Ce droïde sentinelle risque de poser problème. Et comme je marmonne, bah j'articule pas et je mange mes mots et c'est pas compréhensible et ça fait fuir les gens et c'est pas intéressant. Et... ça c'est pour redescendre là. Ah j'ai pas le choix, d'accord, ok. Je fuis sans ça. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant sur Jedha? J'en sais rien, mais je m'en fiche. Et qu'est-ce qu'on cherche au juste? Qui a dit qu'on cherchait quelque chose? On est là pour envoyer un message. Pacifique ou pas, ceux qui s'opposent à l'Empire doivent récupérer un ennemi. Quelqu'un a anéanti une équipe de la patrouille de surveillance. Trois coups, tiens. Sors de ton. Ah, mais bonjour! Vous tombez bien, je vais tester mon nouveau truc. Bon. Oh la vache, oh la vache. C'est la mauvaise race. C'était la mauvaise race. Ah putain. Ah effectivement, il y a un malin avec une Gatling. Il est où? Putain, il est où? Par où je les ai. C'est pas une cible facile. Trop fort pour toi. Mais putain, LT, vas-y, merci. Hop là. T'en sortiras pas. Il est blessé. Faut que je recharge. Oh la vache, y'en avait trois quoi. Quoi ici? Oh! Bref. Dépêchons-nous d'en finir. Je me replie. Merde! Putain, j'ai glissé. Je ferais mieux de l'enculer, c'est ce qu'il a dit. Tu l'emporteras pas. Arrête-les. Débile! Mais putain! L'Empire n'a toujours aucune idée de ce qui se trouve sous leur nez. Finir par trouver le refuge. On doit continuer. Oh! Il a fait un petit bruit. Bonsoir, Persfoge. Persfoge, pardon, oui, c'est ça. Ah oui, ben je. Oui, oui. Je redécouvre les pseudos. Ok, on va compiler par là. Parce que moi je suis concentré, c'est pour ça j'ai. Les rats quittent le navire. On peut grimper là. C'est une bataille épique, hein, quand même. J'aime bien parce que quand il y a des environnements comme ça, que tu fais des. Tu fais plein de mouvements cool.
Donc ils tirent dessus, tu esquives les lasers et tout, tu les renvoies, c'est fluide, c'est... Ça marche bien, ça marche bien. J'aime bien. C'est quoi ici? Sans déconner. D'accord. Bon, je retourne là-haut. Je viens de m'apprendre à lire cette tournelle. Elle est jamais trop tard, hein. Bon, là-bas, je voulais aller là. Il y a juste un établi, là, c'est tout. Putain, comment... Comment on ouvre ces trucs de merde? Je pense que Sir Task voudrait y jeter un coup d'œil. Prince of Persia, The Force of the Tomb Raider, Night of Asylum. Ok, donc c'est... Ah, mais du coup, par là, en fait, même si je fais un... Ah non, même si je fais un dash, ça marche pas. Ok, donc let's go, j'avais dit c'est où? Là. Chaque fois je me gourde des O2L, hein. Toujours aucun signe du refuge du passage. Ah ouais! D'un seul coup on est dans Super Mario, c'est bon. Je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait là. Si. Voilà, on se remet bien devant. Ah. Sinon j'aurais pas compris effectivement. Faut descendre. Comment ça se passe la réalisation de la prochaine vidéo? Alors j'en parle tout le temps. Ça avance mais doucement. Ouais. J'ai reçu un coup de téléphone d'un conseiller en déplacement pour la remise à niveau de, pour les handicapés. Il a une crise cardiaque en voyant je, comment ça, un appel vidéo? Et le stream, t'avais dit que tu veux monter le stream? Que c'est que cette merde? C'est compliqué, c'est compliqué. Ah. Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, bon, j'attends la prochaine, j'étais pas prêt. Let's go! Ah! C'est pas le premier en plus. Il faut quand même que tu fasses agressif sur TikTok pour un mot. Ah, mais si tu savais, sur YouTube aussi, hein. Si tu savais, hein, il y a des trucs. C'est compliqué. Je crois qu'il existe. Cela devrait empêcher les scanners de l'Empire de détecter nos opérations. En fait, je me fais pas agresser, c'est juste qu'il y a tellement de monde qui relève soi-disant la même erreur, alors que c'est pas une erreur, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent de la façon dont il faut pas. Et du coup, je me fais bombarder de messages qui disent la même chose, mais qui ont tous faux, mais qui me prennent... de haut, quoi. Qui sont pas en mode t'es sûr que c'est pas plutôt ça ou machin, si non, qui me disent non mais t'es trop un con inculte, tu sais pas ça, t'es une merde, en gros quoi.
J'exagère un peu, mais à peine. Le gâteau états-unien du tapis rouleau de Cat Bogard de Barbie. C'est ça. Attends, je te déplie. Comme Julie. Julie Delpli. Excusez-moi. J'ai le syndrome de Peter Parker. Je dois faire des blagues en me battant. Ah bah ça sera bien plus pratique comme ça. Encore ? En attendant, je vais baiser la tienne si ça te dérange pas. C'est comment déjà qu'on va sous l'eau ? Sous l'océan. Sous l'océan. Ah, j'ai l'impression que c'est vraiment par là qu'il faut passer en fait, merde. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas allumer le sabre laser sous l'eau. Du coup, c'est vraiment le seul endroit où le Jedi peut se faire niquer la gueule. Bon, on va déjà continuer à voir ce qui se passe sur le temple. Ouais, c'est clair, il y a personne qui fait le rap. Tout le monde fait le rapprochement entre Barbie Oppenheimer et Doom Crossing, mais personne fait le rapprochement entre Grimace, le Grimace Milkshake et le Kool-Aid. Bah oui, mais c'est parce que franchement, c'est un vieux truc le Kool-Aid. Non, bah non, bah écoutez, y'a rien. Allons-y, allons dans l'eau. Heureusement qu'il y a ces éclairages qui ont été disposés pour me permettre de voir clair dans cette merde. Il y a plusieurs passages, oh là là, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a même pas un petit bonus planqué. Non, c'est bon, arrête de nager, c'est bon. Attends, les Stormtroopers, les Vampires, c'est vraiment les États-Unis. Hein. Allez, on va explorer un temple. On explose la dynamite avant. Et on prend ce qui reste, s'il reste quelque chose. Maintenez A pour monter plus vite. Oui, mais si j'ai envie de descendre pour aller récupérer une barbe, par exemple. Dites-moi que c'est une barbe, dites-moi que c'est une barbe. Ah putain, c'est des yeux de merde pour mon droïde à la con. Bon, qui est rigolo, c'est-à-dire. Ouh. J'ai beaucoup aimé ce petit mouvement. Mais bref, oui, la vidéo sur Mario avance. Le truc, c'est que ça avance pas aussi vite que je le pensais. Et puis surtout, bah, j'ai été pris de court. Hein. J'ai eu 2 semaines de Covid. Ensuite, il y a eu 1 semaine de shorts et 1 semaine et demie de compil. Et voilà, donc du coup, en gros, il y a 4 semaines pendant les vacances qui n'ont pas été consacrées à l'élaboration de cette vidéo. Mais... j'ai fini l'ours de la première partie qui fait 45 minutes et j'ai monté la moitié et c'est plutôt cool. Et alors il se passe quoi? Je comprends pas.
Y'a un truc à appuyer. Ah, y'a des trucs là-bas. Hein. On va ramener ça aux archives de Céré. Super. J'avais pas vu. Reviens là. Elle est où? Ah, ok. Merde, c'est chiant. Faut que j'arrive à le coincer quelque part, cette merde. Ah, c'est con, effectivement. Ah oui, d'accord, mais si je lâche ça, et que je fais comme ça... Ok. Ça va être compliqué de bien gérer la caméra pour qu'il prenne ce que je veux qu'il prenne. Donc ouais, du coup la vidéo sur Mario, je pensais que j'aurais large de l'été pour finir les deux parties et peut-être même envisager de bosser sur une troisième vidéo, mais finalement je vais à peine Ah, c'est compliqué quoi, ça prend du temps, je sais même pas si ça pourra sortir pour septembre, ça commence à évacuer les lieux dans la précipitation. Me bourrer un peu le cul, mais bon. C'est comme ça. Finalement, au départ, je me suis dit, oh, bah, ça fera quoi? Ça fera 50 minutes, 1 heure, les deux vidéos. Ah non, en fait, les deux vidéos, ça fait plus d'une heure et demie, quoi. Plus vite. Vous venez avec nous? Je dois rester encore un peu. Allez-y, le temps presse. Je vais sceller le passage derrière vous. Que la force soit avec vous tous. Qui m'envoie. Maître Junda, vous avez utilisé la force, vous êtes Calquestis. Il faut y aller. L'Empire est presque là. Oui. C'est pour ça qu'il faut rapporter ceci à Maître Junda. Ses codes de contact ne doivent pas tomber entre les mains de l'Empire. Ah, bah voilà. Heureusement qu'il m'a donné les codes juste avant de crever. Cal, il est mort. Prends ça. Avance vite, ça te protégera. Vas-y. Je ne peux pas tenir éternellement. Vas-y. À travers les portes laser. Ah, j'ai pas pu le sauver. Il est mort en protégeant le passage. Ah bon sang. Ah, mais j'ai presque un point de compète là. Il est de notre devoir de faire en sorte que sa mort n'ait pas été.
J'entends pas, ça fait du bruit partout. Cette foreuse risque de poser problème. On a l'attention de ce truc. Oh putain! Ah merde, la ruée, je suis con, j'ai pas le réflexe encore. Ah, on peut en faire une après, c'est putain, c'est juste. Tu m'impressionnes. Sympathique. Il y a des petites séquences quand même très très sympathiques hein, dans cette suite. Je vois une entrée. Alors dépêchons-nous. Ok, donc il n'y a rien ici, très bien. Attends, le Metal Gear... Restons sur nos gardes. L'ennemi vacille. On est là. Ok, d'accord. J'avais dit quoi? Je sais plus. Ça? Effectuer une frappe rotative. En relâchant Y. On s'enfonce là. Ah non, on descend. Fuyez, vous tenez à la vie.
Très sympa. Toi aussi, fantôme du désert. Ça met un peu de temps à se préparer, mais c'est sympa. Des ennemis. Mais je repartira, oui. Pierre n'a aucune idée de ce qu'il est sur le point de découvrir. Tant mieux. Ils ne doivent jamais apprendre que le passage était ici. La chasse, c'est toute ma vie. La vengeance sera mienne. Et ben, c'est le moment de la tirer. Dégage! Oh putain! Plus tard. Maintenant. Ah, il se passe quoi? Putain, mais je comprends rien. Putain, ça nique là. Ah, ok, d'accord. Oh là là. Bien joué. Superman 64, le retour. C'est stylé, cela dit. Waouh, waouh, waouh. Wow. En même temps, je suis mort quand même deux fois. Hein. Donc le bisou, il m'a plus déboussolé qu'autre chose. Merde! Il a pas la gerbe là. Non, la séance est cool. Et de temps en temps, il y a le hosté qui se réveille. Et heureusement pour les bons moments. Wow. C'est pété, putain. Ah, je peux pas y aller. Je sais pas ce que je fais. Je remets ma tête parce que ma tête est rigolote à voir, je pense. Oh putain. Maintenant, jamais. Maintenant on fait jamais que je fais quoi. Ok. Ah bah on remet la cinématique. Un dernier saut. Un grand cette fois. Je te suis. Pas le temps d'expliquer, ouais, c'était trop ça quoi. C'était genre démerde-toi, vas-y. Mais vas-y quoi. Je sais pas, vas-y. C'est stylé. Le vomi. Un rituel que j'ai appris en retournant sur Datomir. C'est épuisant. Ça va? Ça va. Allez, apportons ces codes à serrer.
Je vomis 3 fois dans mon cul. Bon, on va apporter le truc, puis j'arrête là parce qu'il est déjà 23h05. Ouh, blou quoi. Il est où? Où est-ce qu'il a vu le blou? Il a fait un blou. Attends, mon droïde, il a dit un truc. Putain. Qu'est-ce qu'il a repéré, putain? Qu'est-ce qu'il voit? Ah. Oh, c'est relou. Bienvenue voyageur, même si ton périple a commencé depuis longtemps. Attends, du coup tous les autres, il faut les scanner aussi? Ah non. Erin va rester dans les airs. Quoi? Non, attends. Excusez-moi. Tu te bats contre GLaDOS? Oui, c'est un peu ça. Mais... sacrée séquence, hein, putain. Ça décoiffe bien. Ah, du coup... ah. Je savais bien qu'il y avait un... il y aurait un... un ultra dash à la con. On nous fait un tuto, non, par contre un bisou, oui. Une sorcière genre Doctor Strange, non, c'est une sorcière de la nuit quoi. Oui, c'est ça, une sorcière de la nuit. Comme Darth Maul. Enfin, je crois que c'est la même espèce. Il me semble. Let's go, c'est par où? Je sais même plus maintenant. Je suis perdu. Viens, on va sur les dadas. Elle est où? Ah. Jamais sans ma mérine. Surtout que bon, maintenant qu'on a fait des bisous. Merci pour ton aide. Ah non, merde, je saute. Non, c'est pas le bon bouton. Je voulais aller plus vite, mais on n'est pas dans Zelda. Voilà. Bien joué. Moi, ce que je crains, c'est que maintenant qu'elle m'a roulé une pelle, elle va crever, quoi. On se retrouve à l'intérieur. Ou alors que c'est ma sœur. Ou un délire comme ça, quoi. Oh, c'est quoi, ça? Étrange. Oh, vous savez, Star Wars shit, quoi. Je sais plus c'est où. Oh. Une vieille moto jet Aratech. J'ai jamais pu en conduire. Ben c'est le moment, on peut pas. Vas-y. Bon, c'est pas là. Oh, ce serait trop bien qu'on puisse. Ce qui manque aussi dans ce jeu, c'est des passages en vaisseau. On voit dans des champs d'astéroïdes, on fait des courses poursuites. On... Peut-être qu'il réserve ça pour le troisième. Nous avons vu 2 autres patrouilles sur la crête. Et ce serait trop cool. Quand tu voyages entre les planètes, en fait, que ce soit pas des... elle a masqué des trucs de merde. De votre passage. Observez l'horizon. Contactez-moi si vous reviennent. Oui, mon frère.
On peut ouvrir là, ça donne quoi? Ouais, c'est une autre zone, on s'en fout, on verra ça plus tard. Mais ouais, que entre les planètes, quand tu te mets à voyager, bah ça part en... en Light Wars, quoi. En plus cool, avec de la vitesse lumière et tout, est plein de merde. Vous avez parlé d'un scriton doré. Il y a d'autres choses à surveiller? Si vous vous aventurez dans les montagnes les plus sombres, vous pourriez tomber sur le repère d'un Sutaban Alpha. Une vile créature. Il serait sage de garder vos distances. Et si j'y arrive pas? C'est très Jedi de votre part. Dans ce cas, je vous dirais que cette bête est rapide et féroce. Bien plus que ses congénères de Baran. C'est bon à savoir. Ça, c'est vraiment Jedi. Je détiens de nombreuses raretés pour vous, étrangers. Oh, j'ai 21 parchemins. Ah oui, d'accord, ok. Alors ça, je m'en bats un peu les couilles des trucs de... Ah oui, il y avait des couleurs ou les trucs des... Je savais que cela vous plairait. On va prendre les couleurs, hein. Je vais prendre ça. Cet objet vous était destiné. Ça pourrait être utile. La sagesse que vous avez retrouvée est une bénédiction pour nous tous. Ça me sera utile. Merci. Vous avez sauvé un savoir inestimable. Continuez votre poursuite du savoir. Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, comme ça, cinématique, et puis après... on arrêtera. Pourquoi je me repose? Je ne sais pas. Et comme ça, la partie est sauvegardée. Bonjour! C'est bon, BD. BD a l'air prêt à partir. Les bisous, on en parle? Non, d'accord. Serré. On n'a pas pu sauver Armias. Il s'est sacrifié pour ça. Je suis désolé. Je sais que tu as fait de ton mieux, Cal. Et les impériaux? Ils nous ont pas suivis. Hé, hey, le ferrailleur. Content de te revoir sain et sauf. Maître Cordova, vous avez trouvé comment traverser l'abysse? Non. Mais vous peut-être, Cal. Baud et moi avons réussi à trouver des données intéressantes dans les archives. Montrez-lui ce qu'on a trouvé. Il y a des siècles, la République a établi une colonie sur Kobo pour étudier une anomalie stellaire du nom d'Abyss. Centauri Kree menait l'équipe de recherche. Ses aides à côté. Leurs premiers essais pour traverser l'Abyss furent désastreux. La République était sur le point d'abandonner le projet. Et devinez qui s'est porté volontaire pour partir seul et découvrir la planète de l'autre côté. Dagan. Grâce aux données de son voyage, Kree a inventé les compas de l'Abyss pour guider les autres vers Tanalore. La République a établi une colonie, les Jedi ont construit un temple, comme tu l'as dit, Cal. Mais cette ère de paix et de prospérité a pris fin avec l'invasion de maraudeurs de la bordure extérieure. Moi aussi, je les ai vus, mais comment ils ont franchi l'Abyss? Ils ont dû voler un compas. Mais vous en faites pas, on sera pas aussi négligents. Submergée, la République a abandonné Tanalore. Et le Conseil Jedi a ordonné à Kree de détruire les compas. Dagan Gera a refusé et s'est rebellé contre l'ordre. C'est un Jedi. Il ne s'allie pas souvent à d'autres espèces. On dirait que Revis travaillait pour Dagan depuis plus longtemps qu'on ne pensait. Donc l'ordre a envoyé des Jedi récupérer les compas. Et Dagan les a tués pour ça. Un Jedi qui tue d'autres Jedi. Sauf que... Santari a dit que Dagan était la clé de Tanalore. Peut-être que oui, jeune Jedi. Malgré mes efforts, les compas que tu as rapportés sont endommagés. Cependant, les rapports indiquent que 3 d'entre eux sont manquants. Et vous pensez qu'on peut en retrouver un? Oui. Et Dagan a envoyé son armée les chercher. Je te demanderais bien de rester nous aider. Mais je connais cette ère. Quelle ère? L'espoir. Cette planète est un refuge pour tous ceux qui s'opposent à l'Empire. Vous seriez du voyage? Enfin, Gris peut réaménager le Mantis, pour vous tous.
Non. Cet endroit a besoin de moi. Le passage a besoin de moi. Cordova ? Je suis navré, mon ami. Mais pour l'instant, ma place est sur Jeddah avec Céré. Laissez-moi vous donner une clé de données pour accéder aux informations, où que ce voyage vous met. Ne me dis rien. Tu restes aussi ? Quand on s'est rencontrés, je croyais que ce qu'on partageait était... unique. Des survivants. Combattant ensemble contre l'Empire qui avait tué nos familles. Oui. Tu m'as aidé à comprendre que je ne suis pas seul. Et toi aussi. Mais la galaxie est pleine d'êtres vivants qui ont souffert autant que nous. Comme Céré l'a dit, tu l'auras peut-être trouvé un sanctuaire. Peut-être. Si on arrive là-bas. Je viens avec toi. Oui! En plus, ça fait une éternité que j'ai pas eu la possibilité d'agacer Grise. Rendez-vous sur le Mantis, sœur de la nuit. T'as dit comme ça, c'était un petit peu beau, hein, quand même. Bon. Je vais reparler avec les gens et je vais sauvegarder. Se dépêcher. Je suis curieux d'entendre ce que vous retenez de l'histoire de Dagan Gera. Dagan craignait que le travail de toute sa vie soit menacé. Son obsession l'a perverti. Cela me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous vous souvenez peut-être que j'ai eu une vision annonçant la chute de l'ordre. Mais le conseil... Disons que mes avertissements n'ont pas été entendus. Dans mon arrogance, j'ai pris cela comme une trahison. Mais vous disiez vrai. Là n'est pas la question. J'ai laissé mon ego blessé obscurcir mon jugement. Quand la purge a commencé, je cherchais encore des preuves que ma vision était juste. Au lieu d'être présent pour aider Céré et son padawan. Cal, BD, juste à temps. Je me suis souvenu d'un autre endroit que vous devriez explorer. Un autre temple ? En effet. Celui-ci se trouve dans le désert sud, et il est prodigieux. Quand je m'y suis rendu, j'ai senti le poids du passé sur moi. Vous le sentirez aussi. Ça a l'air incroyable. C'est ce que je pense. Même si c'était sûrement plus simple avant que l'Empire ne gagne du terrain. Ça va, ça va. Bonne chance sur Kobo, mon ami. Tu es très affecté par la mort d'Armias. Pas vous ? Si, bien sûr. Mais il n'est ni le premier ni le dernier à perdre la vie pour notre lutte. Je sais, mais... on était si proches, lui et moi, Céré. Frère Armias a loyalement servi la cause. Et nous honorons sa vie en allant de l'avant, coûte que coûte. Qu'est-ce qui va se passer avec le refuge, maintenant ? Nous devrons attendre longtemps avant d'envoyer quelqu'un chercher ce qui reste. Cal, trouve Tanalor. Pense aux vies que nous pourrions sauver. Attends, je m'étire. On devrait retourner sur Kobo. J'ai besoin d'un petit moment. Plus on attend, plus ces pillards deviennent audacieux. On y va ? Kobo nous attend. Oui. Voilà, comme ça on sauvegarde. Je peux peut-être même compéter un petit peu avant d'arrêter. Oh ! Ah non, c'est deux, merde. Prendre ça. Ok, partie sauvegardée, très bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai confondu le B de Xbox avec le B Nintendo. Ça arrive trop souvent, malheureusement. Ok. Eh bien, quittons.